Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir. Bon, chez Info 9, c'est l'émission Chita, attendez nouvelles, ça qui est entré la caillou. Moi, c'est Mette Info, quelque soit côté branché. Nous disons bienvenue sur le canal Information sans fausse côté. Gagné au moins un monde qui mourit en babal avec des autres qui blessés dans le marché quoi de Bossal là, d'après responsable marché Sila qui fait un bel enmoué ensemble avec Machanio qui mandait autorité et yo secou surtout la police et bien pour une bayo sécurité dans marché quoi Bossal là. 254,7 milliards gourdes, c'est montant l'argent. Eh bien, gouvernement lui-même l'a adopté dans un conseil ministre qui fait ailleurs pour le budget national là pour l'année 2020-2021 par rapport à 198 milliards l'année dernière. Donc, ça qui fait gagner une augmentation de 28% dans le budget SILA. L'autre information gagnée, l'idée Petite Dessalina, Moïse Jean-Charles, eh bien lui-même lui exige là pour l'État haïtien baisser prix gasoline produit et pétrolier sur le marché local là, une façon pour que eh bien tout l'autre produit soit capable de baisser sur le marché principalement transport pour être capable de gagner répercussions sur tout l'autre produit moun a utilisé, li parle tout de produits moun manger avec produits yo utilisé dans affaires construction dans pays d'Haïti. Auditeurs, téléspectateurs, chers internautes, n'a invité au comme d'habitude pour brancher au continuer à abonner au à canal information sans fausse côté a, de manière à ce que nous sommes capables de continuer à porter bon genre d'informations frais, claires, coup de corps pour vous. Ou même qui abonnez déjà, nous remercions pour ça. Ou même qui pourquoi abonner, nous invitons à abonner de manière à ce que chaque nouvelle vidéo nous publie, eh bien, la privée joue nous de façon automatique. Auditeurs, téléspectateurs, chers internautes, j'en ai annoncé au lit, eh bien, et chapitre insécurité, et c'est avec l'INA démarré programme dans Jodia. Gagné au moins un monde qui mourit dans le marché quoi de Bossal là, d'après avec deux autres monde qui blessés en bas balle. Donc après Neg Axam qui prend habitude sortir dans zone Belay, zone Delma 2, Delma 6, descend dans le marché là. Eh bien, al tiré sous machanio d'après deux responsables marché a yo même qui parlait nan micro nous. Donc d'après des citoyens sa yo bandi Axam, c'est depuis deux disons depuis environ trois semaines yo prend marché quoi les Bossal la d'assaut côté yo empêché machanio vivre nan marché a d'après Toussaint Wilner avec Jean Ronald Félix qui au même ces deux responsables marché quoi de Bossal. Donc d'après deux dirigeants ça yo bien et ça fait un bon petit bout de temps marché a te râlé un souffle avec question Zak Bandi après yo te fin tenter retourner dans marché a les marché a te fin mourir net pour cause insécurité côté yo t'ap touye moun passi par là dans marché quoi de Bossal là jusqu'à ce que yo te abandonné. À partir de là, marché a vini reprendre activité là, ça gagne un bon petit bout de temps, yo te gagne râler un petit souffle, mais ça fait un bon bout de temps tout là et bien et environ un mois comme ça, yo commencé tout monter marché quoi Bossal là, Neg Axam qui a vini tirer et qui rend marchand yo sans souffle. Donc nous invitons à écouter des responsables marché qui c'est Toussaint Wilner avec Jean Ronel Félix. Faut que nous disions qu'il y a tout yon nan marchand yo même qui eh bien fait passer revendication tout nan moment eh bien reporter nous tena espace. N'a profité de occasion ça pour dénoncer sa violence, sa terroriste que marchand qui vend nan marché quoi de Bossal a subi en bas mais un groupe bandit sans foi ni loi qui siège en Dambélé qui empêchait marché à fonctionner. Ça fait plusieurs semaines. C'est un marché qui gagne environ 6 mois, qui a une stabilité là-dedans. Côté marchand, commerçant, il a fonctionné avec inquiétude.
côté gen moun k'ap dormi en bas des pots dans marché a pa gen moun ki vinn ba pression côté gen moun pa gen voleur ki vinn braquer encore pour voler bagaille nan optique ça nous même qui fait partie des conseils administratifs marché quoi des Bossal n'a fait un appel solennel aux responsables encore aux autorités policières et à magistrats comme une Port-au-Prince pour yo même capable de traquer bandits ça yo ces derniers temps nous regayons bagaille qui a développé en dans marché donc en tant que responsable ça va faire nous plaisir. Parce que comment imaginez-vous en tant que journaliste quand on a rentré là nous voyons comment était tout marché et tout le monde a évacué avec activité mais quelques minutes avant ou après, vous avez constaté que vous avez vu que vous avez tombé dans le marché. Qui salue des hommes armés qui réfugient dans la zone de l'air, donc ils ont tiré dans la direction du marché. Ça a été au moins 3 semaines pendant que vous avez évacué dans le marché, vous avez vu 4 graffitis de l'air et puis le marché a pris. Combien de victimes nous enregistrer déjà? Donc, nous enregistrer au moins 2 ou 3 victimes par balle. Donc, vous avez mouru ou bien blessé? Donc, nous avons une graine qui est mourue. Donc, c'est au bout de la route pendant que l'autre de la boucle est mouru. Chaque graine monde qui prend une balle en dans ma chair, donc, nous avons responsable, c'est un électeur qui est perdu. Nous-mêmes, nous ne voulons sauter personne perdu. Nous voulons souhaiter personne victime encore en démarche. C'est pour raison ça qui fait n'a pas demandé à la population de l'air, peuple Maya. Donc, non, premier temps, moi-même, je dis qu'on a joué football dans Maya. Nous connaissons, ce sont des peuple paisible. Donc, je dis, nous avons des informations, des policiers en fonction qui baillent les abri pour que les réfugiés la caillou. Et que nous avons des contrôles et marché pas de Bossal. Nous-mêmes, nous pour stabilité marche en nous. Donc c'est ça l'objectif nous y est. Et c'est pour raison ça qui fait aujourd'hui, nous choisissons vivement appel à l'autorité responsable pour que nous-mêmes, nous jetons un coup d'œil sur marché pas de Bossal. Parce que marche en nous était quoi? C'est poumon économique paysan. Donc, qui est-ce dans la marchande ça qui va déranger l'État? Qui est-ce dans la marchande ça qui va dans la déstabilisation? Donc, je dis, nous voulons pour que l'autorité, et spécialement la police nationale d'Haïti, qui a pour mission qui s'est protégée et servie, eh bien, nous demandons, est-ce que la marchande quoi pour ça par sous direction yo, pour protéger yo et pour servir yo. Est-ce que le déconseil dans le temps? Non, il va être comme ça dans le temps. Mais qui sont pensés qui font le bandit? Les bandits prennent pays, les bandits chaque pays avant nous. Depuis combien de temps vous vendez le marché là? Depuis en 88. Vous avez pris le temps, oui? C'est pour une fois vivre une situation comme ça? Oui, 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 pas ma situation. Nous n'avons pas presque des gens, j'en parle aussi de compte des gens. Qui sont pensés faire ça? Les bandits courent. Je vous dis, même si vous avez pensé à vous mettre un parti policier là, vous avez une sécurité, les bandits courent ensemble avec vous. C'est eux-mêmes qui disent que nous avons une marque à jouer, nous avons une bonne vie. Là tout ça, même bel air, même tirer dans tout bel air, balle même sous bel air, nous avons ici. Alors tu penses que c'est l'État qui va faire le travail, lui qui fait. Oui, c'est l'État qui fait le travail, moi ça va pas comme ça. Ce que vous avez souhaité, nous. L'autre information exécutif là adoptée hier dans le conseil ministériel, eh bien budget 2020-2021. Donc c'est un montant 254,7 milliards goud, donc 254,7 milliards goud. Donc il a adopté dans rencontre ça dans conseil ministériel qui fait hier dans le palais national contre 198 milliards qui étaient votés alors ont été adoptés l'année passée pour budget 2019-2020.
Donc, ça qui donne, ça qui baille un montant et environ un pourcentage 28% augmentation qui fait dans nouveau budget pour nouvel exercice fiscal 2020-2021. L'autre information, Premier ministre Joseph Jout, eh bien, visité Aïe, bureau et conseil électoral provisoire dans Pétionville. Premier ministre, il était parlé avec le directeur exécutif conseil électoral provisoire, Max Delis. Donc, dans une publication, Premier ministre Joseph Jout fait sur Twitter, eh bien, sur adresse, sur compte Twitter, li, eh bien, il fait qu'on est. Il déjà prend toute disposition là pour le bail conseil électoral provisoire, tout matériel qui nécessaire avec l'argent, il y a besoin pour que l'y accomplit mission dans le cadre du travail que y a gagné pour y a fait dans le conseil électoral provisoire. Donc, depuis que Téfine prend eh bien, fonction dans la date, dans le palais national, dans la date 22 septembre passé, 9 membres du conseil électoral provisoire eh bien, allé dans le bureau dans Pétionville une seule fois. Donc, depuis ça, il y a un gros dispositif sécurité qui prend tout autour du bureau et ça, bâtiment conseil électoral provisoire eh bien, pour garantir sécurité KEPA dans Pétionville. Sous Bopal, il y a l'idée petite Dessalines, Moïse Jean-Charles, eh bien, monsieur fait connaître KEPA. Il a déjà jeté la poubelle l'histoire puisque il était monté des dos la loi et il montait tout crasé puisque il est illégal. L'idée petite Dessalines n'a fait qu'on est c'est une bouillie vidée chef l'État a été fait et ben il courut mettre campé un conseil électoral provisoire qui pas campé sous rien puisque d'après ça il dit il était besoin à prendre la parole sous tribune Nations Unies nous invite à écouter Moïse Jean-Charles qui se lit des petites Dessalines. Jovenel, tu as mal parlé, ou bien un message pour enregistrer pour les Nations Unies. Il te met un petit bagage piqué maintenant, mais il faut un bagage. Et t'as mal? On t'a pensé à t'arrêter ça CEP. On t'a mal tout le monde, sauf CEP. Ou à CEP, il faut meilleur. Nous prenons, nous l'avons dans la poubelle. Nous l'avons CEP dans la poubelle. Bagage ça, pas de parler encore dans le pays. Et ça nous te vient du matin. Et si on persiste, nous petit Dessalines, nous comptons tout ça en fait. En même temps, nous venons demander tout, libération, Joannem, Jean, Kili, Anel Belize. Nous venons demander ça matin. Nous venons demander ça matin. Comme nous te payons 15 jours pour prier pour Dieu OBC, on nous découvre. Il y a des bagages qui font baisser, mais quand il y a des bagages qui vont baisser, c'est comme si pour y retirer sous ciment, nous allons regarder M. Boujoua comme ça. Pour y retirer sous fer, nous allons regarder comme ça. Même pas ce matin, nous venons parler avec M. Boujoua. Pas encourager quand les peuples là. Ministère de commerce, nous devons dire votre numéro de téléphone pour nous dire côté à faire nos habits, pour nous dire mais qui prend des bagages. Nous devons faire tirer le peuple, nous devons prendre mon téléphone pour nous aller à la bourgeoisie. Pour aller sur le peuple. Non, le ministère de commerce, c'est pour un nom gros monde qui a apporté Dieu dans le pays pour le peuple connaître. C'est pour un nom gros monde qui a apporté Simon dans le pays pour le peuple connaître. Qui a apporté l'aide. Entendez, l'aide bon goût, c'est 50 goud. Mais vous entendez, c'est 25 goud. Non, c'est pour le plus bas. C'est pour le piba. C'est pour le piba. Ouais, matin, la presse, nous venons de compromis. Nous venons de compromis avec la bourgeoisie. Ils ne peuvent pas attaquer nous ne peuvent pas attaquer eux. Mais il faut que tu aies la raison. C'est eux qui gagnent les banques. C'est eux qui gagnent les banques. C'est eux qui gagnent les banques de l'Union haïtienne. C'est eux qui gagnent le capital banque. Et ils contrôlent les banques de l'État autour. Ils contrôlent. Non seulement BNC, Banque Populaire Haïtienne. C'est eux qui importent du riz. On ne va pas parler avec des tarans, non. On ne va pas parler avec des gens qui sont élus, non. Mais on parle avec des gens qui ont des banques. C'est eux-mêmes encore qui importent des bagages dans le pays. Faut, si nous l'avons baissé, il faut que Dieu monte et descende. Qui c'est la bourgeoisie fait nous? La bourgeoisie met des prix en goutte et puis prix en pivot.
Parce que l'autre appel en dollars américains, continue à comprendre. Après ça, nous dénoncer la matière. Faut que vous baissez au proportionnel à baisse taux dollar. Ok? Par exemple, nous-mêmes, nous clairs, faut de l'arrivée 40 gouttes. Tant qu'elle était pour dollar 39 gouttes, et puis tant qu'elle est aujourd'hui, mettez dollar 125 gouttes. Qu'on y a? Préval de président, il était pour dollar 35 gouttes. Ou juste modèle l'infini, dollar arrivé seulement 39 gouttes. Et puis tant qu'elle est pour un pays avec 39 gouttes, et puis il mettait 125 gouttes. Et puis, je dis à peuple intelligent, mais c'est bon que tu penses que la tabarité est comme ça tout à vous. Mais ok, non, mais comme. Il fait comme si tu étais nous. Il ne faut pas qu'on te gare. Et puis, si ce sont mes qui sont bien loin, oui. Ils sont bien loin, oui. Et puis, nous tous ça, il ne faut pas nous zombies. Toujours, ça qui vient à ouais avec conseil électoral provisoire dans le pays d'Haïti, il y a un directeur exécutif RNDDH, là, Pierre Espérance, monsieur dénoncé là. Menace la mort, li di juge la cour et cassation yo, et ben y ap sibi, y ap recevoir depuis là yo pat validé pouvoir conseil électoral provisoire président Jovenel Moïse là, et ben pour être capable prêter serment devant la cour cassation. Pierre Espérance Ron, bien secrétaire général et bureau primatia monsieur Jude Charles Faustin, responsable question menace la mort sa yo. Il dit qu'il a fait sous juge la cour cassation yo, pendant le traité de illégal conseil électoral provisoire que le les dermalogues président Jovenel Moïse mettait campé à nous inviter au côté Pierre Espérance. Nous au courant il y a des juges dans la cour cassation qui recevoir en pile menace parmi eux juge Wendell Kok. Nous t'ai parlé avec juge là. Juge là t'ai commencé à recevoir menace après Jules Charles Faustin qui c'est conseiller spécial président et c'est lui-même tout qui est secrétaire général primatia. Il t'ai fait une menace et contre Jijo côté que il dit est président capable et révoquer Jijo capable voir Jijo aller. Il t'ai prend exemple ça qui t'est passé en 2006. Et là, tu as un problème et entre la cassation avec le conseil électoral provisoire qui était là. Et là, ça, il y a un président et Boniface qui t'a envoyé quelques juges à la retraite, juges qui ont l'âge pour aller et qui ont l'âge pour prendre la retraite. Ça a montré que qui gens exécutifs là pas respecté le pouvoir judiciaire. Et je ne veux dire qu'on a fait face avec un pouvoir totalitaire, côté que l'exécutif là, lui fait tout ça qu'on est pour lui rendre l'institution pas fonctionnelle, côté que lui affaibli. Et je dis à pas un pouvoir exécutif, le fait que la Cour de cassation n'a pas accepté et prestation seulement et membre et CP. Illégal ça qui remet des campés hein? et yo a fait menace sous et juge dans la cassation. Il y a plusieurs associations magistrats et journée aujourd'hui et qui toujours est là pour surveiller sous fonctionnement et magistrat yo et les des gros problèmes dans au niveau système judiciaire, il a toujours pris position. Comme CSPJ, c'est lui-même qui organe le pouvoir judiciaire, dans une situation pareille, et CSPJ a dû chita avec magistrat et chita avec juge dans la Cour cassation qui est sous pression avec menace et laisse ça pour prendre une position. Yon le pas, secrétaire général, petite partie, petite Dessaline, Jean-Charles Moïse, exige, eh bien, pour secteur, commerce là dans le pays d'Haïti, baisser prix tout produit, première nécessité, moun a utilisé dans le pays d'Haïti, à tout produit, eh bien, yon utilisé dans la question construction caille dans le pays, à tant qu'on fait ciment, tôle et latrier. Donc Moïse Jean-Charles, monsieur demandé l'État pour que les baisse prix gaz là sous marché local là. Donc par rapport à prix avec baisse dollar américain,
eh bien, pour secteur transport avec tout l'autre produit même yo capable de baisser dans le pays pour que malheureux malheureuse dans le pays a capable de râler yon souffre. Ancien sénateur Moïse Jean-Charles dit, eh bien, li épanier banquio de yon catastrophe kolè pèp haïtien. Donc, li rapproche pour le dire, eh bien, et attitude yon série pour le dénoncer. Attitude yon série patron qui nan sous-traitance lan nan factory yo, eh bien qui yo même dit et yo a préparé d'après ça le dit a préparé la opinion publique là pour que yo monte dollar américain nan mois d'octobre là là pendant li mandé BRH pour que li retourne sous décision li prend pour le mettre en application. Eh bien question si qu'il est 114-2A qui lui-même exigeait pour banque commerciale avec bureau transfert, eh bien payer tout transfert qui sortit à l'étranger en good dans le pays d'Haïti à partir journée 1er octobre. Là, nous invitons à écouter Moïse Jean-Charles. Pourquoi là avec nous? Comment il y a pas de déclenchement dans le pays là? Pourquoi nous avons besoin de ça venir là? Nous avons dit ça l'autre jour. Il n'y a pas de 86 ans. Si monsieur n'a pas de 100 dollars, 40 gouttes. Si monsieur n'a pas de 100 prix tol, prix ciment, prix jury, prix caille, en d'un pays, si monsieur n'a pas de 100 prix lait, spaghetti, si on continue, dire que c'est un peu, si on n'a pas de 100 gaz, il n'y a pas de 100 gaz pour vendre, il n'y a pas de 100 gasoline, il n'y a pas de 100 diesel, gaz là, si on produit transversal, de poubelle, c'est là que ça va nous balmer, c'est tout. Et pourquoi ça va passer? Parce qu'il va arriver à l'époque pour 86, non? Là, il va être mal. Eh, le peuple a vu une pire éclairée. Je dis à tout le monde sur les réseaux sociaux. Ensuite, le peuple a une idéologie dans la tête. Je dis à qui? Augmenter le peuple a une capacité politique. Ouais, ça va passer. Moi-même, je ne vais pas venir annoncer violence. Mais au contraire, je viens dire que ça va arriver. Si on voulait sauver tête, non, c'est pour attendre la raison. C'est inimant. C'est seulement qui mettait nous dans cette là. C'est Banque Nationale de Crédit, c'est Banque de l'Union Haïtienne, c'est Capital Bank. Mais il y a des gros entrepreneurs. Capital Unibank avec Sogebank. Et c'est ça que fait. Ouais, principalement, nous venons en conférence pour nous parler avec la presse. Qui a fait message là, il vient dans les oreilles. Bon, bon, pourquoi je me descends à un nom? Bon, d'abord, bon, George. Ok? Ça veut dire qui ça? Excusez-moi, nous te tiens pour plus bagaille au baissé. Date, nous te baillons, nombre de jours nous te baillons, c'est fini. L'autre bagaille. Demain matin, nous te dégons 6 kilos, 114-2 qui va sortir. Banque de pays étrangers, papa ici, tout ça qui va passer dans le pays à demain, c'est une banque qui est assistable. Si il y a des gens qui mourent, si il y a des gens qui sont blessés, si il y a des banques qui brûlent, c'est une banque qui est responsable. C'est ce banque qui est responsable. C'est le ministère financier qui est responsable. C'est la banque centrale qui est responsable. Si là, excusez-moi, si il est 114-2, qui m'a dit, il prend l'argent pour lui en goutte. C'est un coup, il prend nous pour un paquet égaré. Au contraire, je parle de l'album pour vous, oui. L'homme moun yo goud seulement dans le transfert. Yo. Eh bien, pas de gain raté dollar artificiel. L'homme dit artificiel là, il parle de l'autre côté. Moun classement pas faire business. Pas de gain augmentation, inflation. Parce que pas de gain dollar pour l'acheter. Pas de gain raté produit. Faut pas moun yo comme yo en américain. Et puis tout, il y a 23 000 moun à 30 000 moun qui veulent perdre du travail. C'est ce qui est ça, entre en application. Petite Dessaline, demandez-nous pour nous foncer avec maison, transfert. Et nous avons dit, c'est spéculation. Si maison transfert fait, qui fait des problèmes économiques, ça. Bon, mes amis, tu m'as à yo. Ça, c'est ce que la banque dit, il fait. Ça, une banque dit, c'est ce qu'il fait. Quand tu m'as l'aise à yo, avec spéculation, nous venons dénoncer ça. Et ça fait demain matin, nous avons plus de bagages qui passent dans le pays. Si ce qu'il est, 114-2 entre en application. Et ça que fait, je pense que c'est important
jodi an, 11 jours avant, si que ça, nous voulons mettre en application pour tout faire, nous, eh bien, nous venons là moins pour annoncer tout le pays, tout ce qui va arriver net. C'est Unibank, c'est Société Banque qui est responsable. Parce que c'est eux qui ont bateau de diri, ils ont bateau de farine, ils ont pris le pouvoir économique, ils ont pris le pouvoir politique, ils ont mis le service. Eh bien, nous venons dénoncer ça devant la presse. Pour tout ce qui passe dans le pays, on ne peut pas dire que c'est le monde politique, on ne peut pas dire que c'est l'autre monde, mais c'est Bakio qui est responsable. Après ça, nous avons fait un coup de pied l'autre bord de l'eau dans le pays États-Unis, élection pour le temps, dans la date 3 novembre 2020 qui est venue là. Mais il faut que nous disions le groupe qui est chargé pour organiser débat présidentiel dans le pays États-Unis annoncé ailleurs. Eh bien, Libral prend gros mesila pour que li garantit l'ordre et non et deux derniers et rendez-vous face à face télévisé, rendez-vous télévisé face à face qui gagne pour fête entre deux candidats qui c'est Donald Trump avec Joe Biden. Groupe qui a géré question débat présidentiel yo, et mais yo prend mes ici là dans pays États-Unis. Après premier débat entre deux candidats, Donald Trump avec Joe Biden qui s'est rivalisé.